Yo tout le monde, c'est Léo de Bad Lion Sport. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale, je dois dire, puisqu'on va se rendre sur un terrain de basket en extérieur pour voir un pick-up game où des filles, des garçons vont s'affronter. On fait ça en partenariat avec Courcud, donc ça devrait être cool. Il va faire pas trop beau, mais il va pas pleuvoir, c'est le principal. Donc on se retrouve tout de suite pour la session basket. Ciao. Le gars est équipé. Aïe aïe aïe. Damn. La locomotive. Wesh Théo, il s'est passé quoi là? Ah, ouais, il y a un petit événement pour Cut. Ok. Organisé par Bad Lion Sport, le plus grand, le plus beau. Petite vidéo débrief du playground pour Cut à Angers. C'était vraiment cool les gars, il a pas plu du tout. Il y a eu au moins 50 à 70 personnes, filles, garçons, de tout niveau. Surtout il y a une belle équipe là de National, National 3, National 2 et même ex-National 1 pour jeunes, Ratcheville. En face, il y a eu des gars de Cholet, de R1 et puis avec un espoir Léopold Delaunay. Et après, ça joue un peu à tous les niveaux, D1, région. Et on se retrouvera sûrement bientôt sur un playground à Cholet, au parc de Moines. Aujourd'hui, session playground Courcut à Cholet. Donc sur le même procédé qu'à Angers, ça va être un pick-up game du 5-5. La première équipe à 10 points reste sur le terrain et l'autre va passer sur le deuxième terrain puisque là on a deux terrains à Cholet. Donc on devrait avoir du monde et j'espère que ça va bien jouer aujourd'hui. Il est là, il est présent. Go! Oh.
C'était lourd à Cholet, les gars. Vraiment, il y a eu de belles surprises des guests. On peut dire ça comme ça. Quentin Ruel qui est venu, Melvin Govindi. Et après, comme prévu, il y avait Léopold Delaunay, Yannis Talgot, Corentin Lopez, tous les gars de la R1 de Cholet, des gars de Trémontine. J'ai vu des gars de la SEG aussi. Il y a eu des actions de malade. Perso, moi, ma préférée, je pense, c'est le grand pont et le alley-oop pour le dunk de Quentin Ruel. Le temps nous a pas été défavorable non plus. Il a plu un petit peu, mais c'était cool. Ça donne envie de créer d'autres événements comme ça. Donc c'était vraiment un bon après-midi. J'étais surpris d'avoir autant de monde. Je remercie Julien de Courcut qui a boosté l'événement sur sa page Instagram. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, partagez-la sur les réseaux et je vous prépare d'autres vidéos là dans l'été, que ce soit avec des basketteurs ou des events. Voilà, suivez la page, partagez-la et on se capte. Ciao la team.